Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et franchement ça va c'est et qu'on y a mis les cas ça fait nous plus ça fait nous plus c'est que nous tout qui prend plus et ça va plus ça a dit et dans les enfants nous quand plus tout cas pas mes petits mounions là ou qu'on sont seuls même gang bon. Je suis là, 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 je suis tout je suis là, je côté là, je suis 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 les problèmes sont venus, je ne pas crier sur eux, même chercher des solutions comment je résoudre. Mais là, je regarde les artistes qui chantent, moi, je suis tellement traversé, je suis dans les yeux. Ça veut dire que les artistes sont artistes sérieux, artistes tout bon, c'est le cas de me crier. Mais peut-être que ça m'oblige à ballon à collade. Moi là, non. Hey, tu veux ce malin de potage? Moi là, je dis, ma marche dans le dernier pays, nous connaissons ma demande. Ma demande de justice pour le président Jovenel. Justice pour le président Jovenel, là, c'est le, nous tout petit monde dans le pays, nous à l'école. C'est le, maman, nous avons papa, nous avons un travail pour occuper nous. C'est le, père, nous avons de l'eau sous nous, pour nous faire manger, pour nous manger. C'est le nous malades, nous ca allons à l'hôpital pour nous prendre soin. C'est le nous gagnons route pour nous pas obliger faire une heure de temps, sortir loin pour nous venir l'école en côté. Mais là, jeune justice là tout, c'est le nous-mêmes, jeunes filles, jeunes garçons, petit monde, nous rester l'école, nous faire devoir nous, étudier les leçons, nous respecter mademoiselle là ou bien maître là. Tout ça dit nous faire, nous faire. Mais ça n'a pas un bon citoyen demain et pays n'a pas un autre pays. Jeunes messieurs, jeunes mesdames, moi connais que la situation est difficile pour nous. En pile fois, il y a des bagages qui ont passé dans la vie qui ont fait nous quitter l'école. Mais si nous quittons pour année, pour nous, parce que pas de l'autre côté, nous avons joué réussite. Si nous ne pas fini l'école pour nous apprendre nos métiers, nous n'avons rien que nous voulions, que nous ne pouvons pas faire si nous faisons. Mais si nous ne pas faire, nous rêvons, nous ne pouvons pas réaliser. Et nous connaissons l'âge nous hier, nous avons pile rêve. Ça pour nous faire tout, pas jamais quitter au monde dit nous que nous pas qu'à ça nous vleyer. Pas jamais quitter au monde caser rêve nous. Parce que rêve vous c'est lui-même qui fait. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui à ta première dame? Non. Mais quel que soit ça au monde dit que nous pas qu'à faire ou dit que nous pas qu'à étudier tel bagage, mais étudier. Ou dit que nous pas qu'à parler telle langue, moi parler. Mais tout ça me t'est fait, même tenant l'âge nous, c'est eux-mêmes qui servent la aujourd'hui. Parce que ça ville forme comme monde, c'est des bonnes âges de monde ça yon qui devant nous là. On va pas prendre, on va forger l'esprit, on va lire en pile. Le ça, on va pas venir au monde demain. Donc pas oublier, toujours meubler l'esprit nous. Et avec qui ça n'a pas meublé, c'est avec ça nous joignons en dans le livre. Nous connaissons nos Facebook, nos Instagram. Mais en pile fois, il faut nous créer temps pour le livre. Parce que ça qu'on dans le livre, c'est vraiment important. C'est ça n'apprendre dans le livre que nous parlons de mettre à la disposition de pays. Comme quand on connaît dans 15 ans, dans 20 ans, même si moi m'allais, j'ai espoir que abonne notre pays. Songez que nous c'est espoir pays. Songez que nous-mêmes, pays, c'est sous de nous la jeunesse que le chita. Si nous sommes tombés, pays a tombé tout. Mais si nous campions même j'arrive dans 15 ans, dans 20 ans, nous apprenons notre pays. Donc, nous c'est espoir, petit monsieur dame. On connaît Haïti que moi me réveille. Haïti que président Jovenel mourit pour l'IA,
nous-mêmes nous capables de faire, nous-mêmes nous capables de créer, nous-mêmes nous capables d'embêter. Merci. Matin, l'homme dérivé là, avant même que je rentre dans le tribunal là, au tribunal là qui c'est Jean-Aubert, il dit moins à partir des vérifications de routine qu'il fait chaque jour, parce que chaque jour, avant de permettre que le grand public là ait accès à tribunal là, il y a toujours font vérification de routine, garder toute porte cabinet d'instruction aussi au normal, toute porte qui a accès à différents services. Il dit que l'on a vérifié matin, il y a porte qui a accès à couloir qui mène dans le bureau juge Aurélien avec le coup d'appel là, il était défoncé. Il dit moi, l'on a allé le porte bureau juge d'instruction garé Aurélien, il est défoncé. L'on a allé, il y a porte greffe principal tribunal là, il y a une fraction là dedans, ça veut dire c'est où la case. Après, il faut que je dise nous greffier Benchi Fontus, qui c'est greffier qui est responsable cabinet d'instruction, greffe cabinet d'instruction. Il dit que l'entrée dans le bureau, il y a gagné des traces d'effraction au niveau d'un coffre fort qui gagne. Il faut que je dise nous, à première vue, nous sommes capables de dire. Pas un gros problème vraiment à première vue, mais nous pouvons faire un inventaire détaillé pour nous avoir une idée de dégâts que le cambriolage a occasionné. C'est dommage, nous faisons effort pour nous ouvrir le coffre fort anti-feu qui est dans le bureau juge Gary Aurélien, nous pas qu'à ouvrir. Nous pas connaître s'il était ouvert, mais nous pas capable. Tout effort nous fait pour nous ouvrir, nous pas capable d'ouvrir. Nous avons fait appel à technicien pour ouvrir pour nous. Il faut que nous profitions de l'espace pour nous féliciter le juge Gary Aurélien, qui toujours, depuis qu'il a commencé à traiter le dossier, a toujours pris des dispositions spéciales pour sécuriser tout procès verbaux que lui dressé dans le cadre d'enquête. Ça. Et il faut que nous disions, selon le rapport que le greffier Benchi Fontus Bamouin, à partir de constat que nous avons fait là, apparemment, il n'y a pas manqué. Ça veut dire qu'il faut fort que. Il y a des traces d'effraction là-dedans. Il y a un dossier là-dedans, il y a un dossier. Après ça, il y a deux objets qui représentaient le corps du délit. Bon, il y a un dossier sensible qui était dans le coffre fort savoureux. Il y a quelques jours de cela. Mais il était déplacé. Il était bâillé greffier en chef là pour une nouvelle désignation. Donc on dit, nous, apparemment, nous pas de bagaille qui manquait. C'est une évaluation qui permettre nous dire si il y a manqué ou pas dans le bureau juge Gary Aurélien. Ou bref, cabinet d'instruction, chez Benchi Fontus dit tout le bagage normal. Il n'y a pas un yon qui manque dans le greffe là. Dans le greffe principal là, le bureau qui a accès à le greffe principal là, il y a des traces d'effraction, c'est où là nous allons écraser. L'entrée dans le bureau, le greffier Tassi, Mozart Tassi, greffier en chef tribunal là, bien qu'il y ait une structure digicode la donne, nous allons écraser. Ça veut dire qu'il entre dans le bureau. Nous avons des objets, des dossiers éparpillés. Mais il y a ce greffier Tassi qui peut faire un inventaire pour nous, pour dire qui ça qui manquait. Mais tant qu'on dit nous, juge Gary Aurélien, heureusement, il prend toujours disposition pour sécuriser tout procès verbaux qu'il dresse dans le cadre de travail et pour ne pas dire dossier qu'il a traité, dossier sensible qu'il a traité dans le moment. C'est ça que je dis nous. Nous avons fait un inventaire détaillé dans le jour qui vient pour nous voir si il y a des choses qui manquent pour nous dire qui ça y est. Le juge a fait un constat matériel, ça ou même nous là. Bon, le constat est toujours en deux phases. Le constat est une phase objective, ça veut dire constat matériel, là, juge l'a fait, mais ça l'ouest. Il y a effraction dans le niveau bureau juge là, dans la porte principale, là, il y a une série qui est emportée. Dans le coffre-fort là, anti-feu, il y a une déformation, mais tout effort que nous faisons pour nous ouvrir le coffre-fort là, nous ne sommes pas capables d'ouvrir. Ça t'a supposé le pas ouvrir. Mais nous ne pouvons pas dire ça. Il faut que ce technicien pour nous faire appel à lui-même pour ouvrir, pour nous aimer. Nous entrevoir des dossiers en dans le coffre-fort. Mais nous avons l'autre compartiment, nous ne pouvons pas voir ça que la donne. Mais tant qu'on me dit nous, le juge Latoul toujours prend précaution pour sécuriser les procès-verbaux qu'il a dressés et pour sécuriser une bonne partie dans le dossier sensible qu'il a traité dans le moment. La première démarche que nous avons fait matin, nous avons déplacé à regarder. Bien qu'il n'y ait pas de pénétrer spatio. Première démarche que nous avons fait, c'est le directeur central de police judiciaire, qui est l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui était pour maintenant d'avoir une équipe d'enquêteurs du bureau des affaires criminelles pour nous pour faire les prélèvements nécessaires. Et nous avons les juges de paix de la section sud de la maître Philippe Vincent qui n'ont pas
prend temps pour arriver sur les lieux. Juge a fait constat matériel, nous fait déclaration. Greffier qui dans cabinet juge là, li ba un rapport, la ba greffier en chef là. Tant qu'on dit mais faut que nous fassions un inventaire pour nous voir qui ça qui manquait. Mais apparemment nous pas voir rien qui manquait dans bureau juge là, mais faut que ouvrir pour faire antifeu pour nous voir si gen bagaille qui manquait dans bureau juge. C'est pour ces verbes qui dressent dans le cadre d'instruction de dossier ça. C'est pour ça qu'on vient dans le bureau juge là. On ne vient pas pour ces verbes parce qu'on prend des dispositions spéciales pour sécuriser. Pendant que je parle là, je vais ouvrir la parenthèse. Nous songeons que nous avons des cambriolages qui font la répétition dans le tribunal de première instance. Nous avons profité de l'occasion pour nous féliciter les CPJ qui font un travail important. L'année dernière, nous songeons que nous avons plusieurs cambriolages. Les CPJ ont fait enquête là. Finalement, j'ai retrouvé mais aucun tribunal là dans le bagage. Et le CPJ est arrivé à arrêter octon, dossier dans le cabinet d'instruction, on attend lui d'instruction en ordonnance. Ou bien il dit une charge ou bien il ne dit pas charge. L'administrateur a toujours fait rapport et a toujours alerté toute autorité pour prendre des dispositions spéciales pour sécuriser le tribunal. Moi-même avec le commissaire gouvernement, j'ai été enterré les gens qui proposaient à la sécurité du tribunal. Bon, il y a là d'ailleurs qui dit non, il y a une grève, la zone bicentenaire est difficile d'accès. Tant qu'on nous a alerté de CPJ, juge de paix à son officier de police judiciaire, ça veut dire immédiatement le présenter sur les lieux, il faut qu'il recherche les crimes. Ça a attiré l'attention, il n'y a pas gagné aucune trace d'infraction dans la porte principale qui a accès à tribunal là. Pas gagné trace d'infraction dans le greffe cabinet d'instruction. Certes, il y a défoncé porte qui a accès à couloir qui mène dans le cours d'appel là, défoncé porte bureau. Juge Gary Aurélien. Greffe principal là, qu'est infraction. Bureau juge et Mozart si qu'est infraction. Mais entrée principale tribunal là, pas infraction la donne. Avait dit, ça t'a supposé c'est avec clé li ouvri. Qu'on a c'est DCPJ dans cadre d'enquête qui a déterminé responsabilité tout le monde dans sa route là, gain problème, n'est pas bon. Même un pont pour faire bon la cala tout. Bon en bas, on va cap faire. Et ce pont ça c'est lui qui a crasé pour tout comme ça. Il y a une machin. C'est là que je dis tout le temps fait des demandes pour lui. Il y a un bon mieux qui a commencé à faire. Pas de, il n'y a pas fait, il n'y a pas continué. Je comprends que moi-même, dans la zone, c'est là que je fais. Il y a une ravine qui a crasé pour tout le monde. Il y a une ravine machin. Vous comprenez? Il y a une ravine machin. C'est votre côté de la douleur. L'autre côté, côté premier policier. Là, il veut plus boire pour ravine avant j'ai un commissariat en bas. Avant j'ai un commissariat en bas, on ravine. Ravine, on dit, bah, on va le faire. Bon, pratiquement, bon, à cause des gaz, nous avons bon valet, nous avons à cause des gaz, nous manquons de monde, parce que moi-même, moi, pourquoi passer comme une région pour mieux petit gaz pour monter là. On a dit, il manque un petit bagage par rapport à des conjonctures et gaz. Bon, pratiquement, bon travail, moi, qui fait en haut. Côté par le monseigneur Guillaume. Les campés. Les gens, route ça, c'est grâce à route ça qui a sauvé mon carrefour. Mon amour, le bras, ils vont continuer à monter là, il y a pas macaco, et puis ils descendent. Route ça, c'est route Toto qui est fait. Route Toto. Ils descendent là-dedans, il y a pas Dikini, il va se Saint-Roch, il descend Dikini. Dernier mois, c'est route là. Je t'ai fait parce que en bas tu as des problèmes. Je t'ai cap fait même route ça apparaître côté pour paraître. Bon côté côté nous faire la descente dans Fontamara. Parce que dans tout ça comme mon Fontamara pas en merde. C'est mon grave qui prend en merde. Bon petit route là pas bon même on t'a dit que oublier c'est super engagé du freiner pour monter pour aller descendre parce que ça me d'avait dit nous dans fête Saint-Gilles là jeudi en là. Je dit pour nous parler ensemble avec l'autorité pour route. Parce que les gens qui sont bien contents de venir dans fête là, là nous n'avons pas de route. Mais encore, il y a un problème de gaz. Faites la compte tellement que les gens qui ont fêté, pas de gaz, pas de route, nous n'avons pas de venir. Bon, nous n'avons toujours pas de route. Mais nous avons une cause d'insécurité dans le pays. Vin fè moun yo pa ka vini pou ane a la. Dernier mois, m te rete dil deja, autorité m ap mande pou yo pran responsabilité yo pou route. Nou pa gen route, nou pa gen dlo, nou pa gen courant ici an la. Depuis la pluie va tomber, nou pa ka servi avec dlo. Depuis la pluie va tomber, gros camion ka passe, mes camions yo même nou kon monte pou nan pran dlo en bas. Bon pou moment la, pou m descend ka fè la pendant problème gaz la la,
faut me 50 dollars pour me descendre. Les potes, les gaz là, t'es gay gaz là, votre gaz là, votre courant, de compte payer 30 dollars. Me descendre. Oui, la semaine en fait là, parce que si mon zone mieux, je choisis une trip dans zone là, mais je suis auto, je cause gaz là, je ne vais pas venir avec moi là. Ah, route la case net, nous pas gain route, nous pas gain de l'eau, nous pas gain courant dans zone là. Ah, m'a demandé président, si pays a gain président comme pays a gain président, m'a demandé président ministre là pour faire ça qu'on est pour combattre pour mon Saint-Gide. Ah, j'ai 30 ans depuis ma vie bon ici là. Là, nous pas jamais gain route, nous pas jamais gain de l'eau. Ah, pour faire route Saint-Gilles là et puis pour bas nous pour bas nous courant. Si on qui inquiète nous et nouvelle ça l'équité yon amertume la caille non parce que c'est pour la énième fois tribunal de transport au prince qui est objet de yon cambriolage et malheureusement les jeunes tournés ont fait courant à chaque fois qu'un dossier assez important, des dossiers qui très médiatisé qui concernait de personnalités publiques, ah ben il y a toujours cambriolé espace qui est quimbé. Mais le corps du délit qui kimbe les pièces de dossier. Et nous apprenons tout, il y a cambriolé tout greffe centrale là, et aussi greffe cabinet d'instruction. Et nous autres, c'est une situation, j'aime te dire, d'aller qui équipe et non. Et nous souhaitons que c'est pour la dernière fois qu'une situation qu'on s'est capable de dans le tribunal là. Et tout est une disposition qui prend au plus haut niveau en termes d'autorité qui a administré la justice en Haïti pour éviter de pareilles situations qui arrivent au bout. Nous gagnons un tribunal qui est dans une zone qui a de l'endroit, puisque le bicentenaire, je ne connais ni, c'est une zone qui est abandonnée par les forces de l'ordre, pas gagné aucune présence policière en non zone non. Et tribunal là, lui-même tout, c'est un tribunal qui correspond à Santé Carrelée, architecture, à Santé Carrelée, il y a un espace qui doit abriter un tribunal ensemble de bureaux de l'intérieur, il est fait en sous-droit, il est pas fait en mur bétonné, puisque c'est vraiment un ce bâtiment qui est logé au USAID. Et puis, là, tout, il n'y a pas gagné de véritable agent de sécurité qui est normé, qui est assuré sécurité libre. Il n'y a pas gagné de caméra de vidéosurveillance. Et ça, facilité avec n'importe qui monde qui t'avait disparaître de dossier dans le tribunal là, pour faire des centres d'inquiétude. Le tribunal là, zone, c'est une zone qui n'est pas fréquentable. Ça encore facilité, puisque lorsque vous est une zone comme ça, et qui est ah ben, la police qui a fréquenté l'île, maintenant on n'a pas aucune inquiétude pour capable de pénétrer le tribunal là. Et en plus tout, de façon tribunal là constitutionnelle, il n'est pas garanti de sécurité et qui est capable de dissuader le monde pénétré à l'intérieur. Et si on a pénétré à l'intérieur, et bien on est capable de prendre et s'enrouler sur le champ. Tout ça, c'est des facteurs qui ont favorisé le monde capable de manière facile à contrôler le tribunal. Évidemment, c'est encore une situation qui fait nous comprendre la nécessité pour le tribunal là de se déplacer dans l'espace comme ça. Et le tribunal là, ils sont tribunal qui est dysfonctionnel. Et nous connaissons Téléguinée qui est une équipe en permanence dans le tribunal là. Et en temps normal, nous connaissons son tribunal qui est très fréquenté. Et le tribunal là, il est censé fonctionner pour certains dossiers, notamment les dossiers sensibles, mais tout l'autre cabinet d'instruction n'est pas fonctionnel, pas qu'il n'y a aucun siège civil qui prend, pas qu'un siège correctionnel. Et ne parlons pas d'assises criminelles, puisque on essaie une période qui mobilisait un pile monde, qui pouvait assister, de monde comme témoin, de monde comme membre jury. C'est un tribunal qui pratiquement fermé, même si pas qu'il est ouvert, parce que sécurité dans un il n'est pas garanti, à n'importe quel moment, ça me continue en bas. Ça nous carré les justiciables, tout, il n'y a pas fréquenté les zones du tout, c'est sur le qui vivent. Lorsque vous gagnez pour aller dans le tribunal là, c'est mon tribunal qui l'a, je pas besoin de vous me dire, qui l'a pour la forme, parce que pas gagné aucune condition de sécurité qui réunit pour activité capable de prendre dans le tribunal là. Qui sont capable de proposer pour conditions capables de retourner dans normalement au tribunal et comment fonctionner? Je crois que la solution est claire, c'est relocaliser le tribunal là de manière provisoire, en attendant que les forces de sécurité y arrivent, évidemment, à ramener la paix dans la zone. Mais non, le tribunal n'a pas qu'à fonctionner, nous n'avons un droit pour que il n'est pas capable de fonctionner avec de calme, de sérénité. Mais il n'y a pas aucune présence policière, n'importe qui monde. Dans un moment, on connaît nos voisins, bah, 5 secondes, capable de décider de faire la loi et j'en voulais. Mais dans un tel environnement, pas du tout adéquat pour la justice, capable de prendre de manière sereine, en toute tranquillité. La solution, c'est de manière momentanée de déplacer le tribunal là, pendant le temps que les forces de l'ordre, le monde qui va pour garantir
sécurité dans le pays, capable évidemment faire zone nord, reprendre la sécurité nécessaire qu'il faut, et après ça, nous sommes capables de retourner dans l'espace là. Mais nous avons rappelé pour tout le monde qui a retenu là, et son espace qui est habité les services de l'USAID n'est pas du tout conforme aux normes élémentaires pour être capable d'abriter le palais de justice, puis le tribunal dans le pays en termes d'effectifs de magistrats, en termes de nombre de dossiers que l'a traité, et pour reloger certains ministères, certains bureaux de l'État. Et nous pouvons tout mettre en œuvre pour nous être dans les prochains mois, dans les prochaines années, et que nous sommes capables de parler de justice qui est digne de son nom dans la plus grande juridiction du pays. Sakari Ouilien était rivé dans le palais de justice là, vers les littéralement une heure, côté que il était constaté Portland lui défoncé. Il a été pénétré dans le plus haut, il était un coffre fort qui gagnait. Deux tomes dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, contre François, tout le même, ils ont défoncé lui, mais ils n'ont pas de temps pour du côté aller aussi, parce que ce dossier qui est environ là dans 6 tomes qui constituent, mais il y a 4 tomes qui n'ont même jugé, il y a soit les quimbés ou la caille, bien la machine, ou bien les métiers ou non, qui est sûr, mais il y a deux autres tomes côté que ils ont après instruction sur eux, également comme ça, ils ont été rétés dans le coffre fort là, mais les DCPJ qui étaient venus, juge des pères, les greffiers, fourré même en tant que deux tonnes de dossiers ça ils ont même ils ont été mais après ils ont été ça que pas pour qui aller et puis après Maïssa Gaïo est sorti dans le tribunal là était accompagné de sécurité avec greffier l'air de dans zone Delma 33 ils ont été attaqués une autre fois encore machine Gary Aurélien et ça capable fait que Gary Aurélien a pas déposé greffier ça dans route là pour motocyclette pour le diriger vers la caille et nous déplorons façon que il a traité dossier assassinat président Jovenel Moïse et façon il a traité tout l'autre dossier qui est dans le pays et c'est de monde qui était capitaine de justice et nous m'a dit est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a une justice fait parce que pour nous-mêmes dans l'association nationale des greffiers haïtiens nous estimons que c'est à des fins de quitter le tribunal là dans nous avons des situations ça de manière à ce que à chaque fois il y a besoin de préparer un dossier pour être capable de voir n'importe quel individu pour être capable d'entrer sans être chargé dans la chambre de structure pour prendre ça au réseau côté et pour au côté aller. Nous-mêmes, nous avons déjà adressé en correspondance avec le ministre de Justice là, et avec l'autre autorité qui concerne la justice dans le pays. Hein, pour nous dire que quelque soit important si on greffe dans un traitement et un dossier, soit au niveau du tribunal de paix ou bien dans le cabinet d'instruction, et surtout pour le cabinet d'instruction qui fait une juridiction spéciale, qui est formée de deux mondes, le greffier et du juge. Également, monter avec autorité pour nous faire greffier tout à des assistants qui sont similaires par rapport avec assistance au magistrat instructeur et ceci. Côté que l'autorité a fait greffier à une série de promesses que n'ont pas réalisées jusqu'au nien. Et nous-mêmes, nous sommes même avancés plus loin pour nous demander avec tout greffier qui est dans la République, là, depuis qu'il a traité des dossiers de telle envergure, depuis qu'il a juge en sécurité, il a le machine, il a le moyen pour le travail et ceci, il n'a pas greffier pour pas que personne greffier qu'elle siège ou qu'elle le travail dans l'instruction de CISAO, mais greffier lui-même qui pas coûté conseil ou bien qui pas coupé devant notre association lui-même qui était choisi à travail sous promesse que l'autorité lui-même de faire. Et je tiens à tout pour greffier même procéder avec interrogatoire ou bien avec audition témoin plénière et inculpé dans le CISAO, c'est greffier qui tout sous placard lui avec des feuilles blanches en prison pour qu'il fait travail là. Ça veut dire pas qu'il n'y a pas de mettre aucun matériel avec greffier avec magistrat pour faire travail. Elle a comme ça doit de manière suite instruction ça lui-même mis ta machine. Ça veut dire que pas même gagner feuille blanche pour autant de monde et on l'autre faille encore qui gagne yon chambre d'instruction lui suppose qu'il y a des records la donne pour autant de monde parce que les autant de monde de feuille volante ou bien feuille volante ou bien avec feuille blanche c'est de feuille qui est capable de perdre au moment où porté là où tous les dossiers pour victoire définitif ou bien observation sous le mandat mais levé dans le parquet, les commissaires gouvernement a défaité le boulotade, les commis parquet a défaité le dossier, capable de conseiller des pages qui tournent dans la tête, soit dans le greffe parquet ou bien la caille commissaire gouvernement parce que le plus souvent, si petit commissaire ou bien commissaire toujours à la caille de ce sort, toujours dans la machine, mais dans la paquette de dossier, ou capable son dossier, ou capable de finir de nous la donner, et puis après ça, ou perdu interrogatoire, ou bien dans là, dossier La Saline, dossier Anel Joseph,
Les garçons fait des dossiers avec un pile l'autre gros dossier encore qui est dans le pays. Nous estimons que l'autorité, même dans la justice, ils n'ont pas moyen avec un magistrat ou avec une chambre d'instruction qui a traité dossier de moyens pour être capable de travailler. Et ce chrétien, ils étaient supposés. Hier après-midi, ils ont attaqué ma chimie dans zone d'Elma 33. Ils ont cambriolé les chambres de destruction côté eux-mêmes et abusé. Ça veut dire que ça fait trois gros attaques chambres de destruction. Ça, lui-même les victimes, lui si bien. Et que nous souhaitons que l'autorité au niveau de la justice, il y un dossier de justice au plus important, pour prendre en charge des greffiers qui accompagnent les magistrats, pour parler tout traitement nécessaire, de manière à ce que pour ne pas faire d'autres victimes après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous souhaitons que le ministère de la Justice, CSPJ, CSPNA ou le Premier ministre, pour faire en sorte que vous mettez de moyens à la disposition de chambres d'instruction, y compris magistrats avec greffiers, de manière à ce que pour l'instruction, ça, les mêmes capables de faire avec cette déposée. Et je tiens qu'il y a mal qui va dire encore tout. C'est ça, ou capable, après trois attaques aux chambres d'instruction, ça, qui va venir, ou capable, magistrat, capable peut-être de porter le dossier. Et si on a un autre magistrat qui est greffier pour la tâche avec elle, et qui est magistrat tout pour choisir pour aller, et magistrat capable de choisir le travail tout, et puis capable de pas jouer un greffier, parce que suite avec l'attaque à magistrat Aurélien Frayer, et nous-mêmes, l'Association nationale des greffiers Haïti, nous déjà demandé avec greffier Élisée Kardec qui est attaché avec magistrat instructeur, si toutefois il n'y a pas de moyen pour ce travail, si toutefois il n'y a pas de moyen de déplacement pour le travail dans le dossier qui est de telle envergure, lui-même pour ne pas continuer et pour le demander magistrat, pour quitter la chambre d'instruction, capable de rappeler avec ministre, magistrat, titel, pour nous rappeler que nous gagnons deux accords qui pendant devant le ministère de la Justice depuis 2017 avec 2019. Et dans l'accord, ça, on gagne deux points là-dedans qui sont essentiels pour nous. Gagne deux points là-dedans, nous mettons accent sur nous parce que gagne une augmentation graduelle pour mettre à bas nous dans l'exercice fiscal 2017-2018 et dans le même exercice fiscal 2017-2018, ça, il était pour mettre nous créer, mettre en bout avec discrimination qui vient dans le système judiciaire, dans le ministère de la Justice, parce que il y a pas d'employé qui est dans le ministère de la Justice, qui a des débuts, et il n'y a pas jamais d'autres employés qui ont été commissaire gouvernement, les commissaires gouvernement et les greffiers et d'autres. Vraiment, c'est pour mettre nous créer tout greffier en 4 de débit jusqu'au n'y a pas de personnes greffiers qui ont encore 24 de débit. Il y a seulement quelques greffiers que le ministère de la Justice soit corrompu ou bien les totes corrompus qui ont offert de 4 de débit en apporté pour être capable de faire du travail sale pour les niveau en bas tribunal. Il y a celles-là-même qui quittent un 4 de débit dans le n'y a. Et ceci, nous demandons avec le ministère de la Justice, avec Premier ministre avec le ministre financier qui c'est Patrick Bravert pour être capable de pencher sous tolérance nous, pour être capable de pencher sous accord que nous avons été signé avec eux. Dans le cas contraire, dans les jours à venir, que greffier eux-mêmes y a payé pour observer de arrêt de travail ou de grève pour nous capables de demander, pour respecter l'accord que nous-mêmes nous avons gagné avec le ministère de la Justice, que lui par exemple honoré pour mes studios, jusqu'au temps de parler avec eux là-bas. Nous présentons là maintenant. Dans le contexte côté insécurité généralisée, kidnapping, la misère, la richesse, crise gaz, mauvaise situation victime tremblement de terre, grand studio, problème constitution, institution qui à genoux, problème élection à gouvernance, tête en bas, le résultat, sans résultat depuis trois derniers mois. Le comité de pilotage, c'est soit quand? Depuis le printemps, c'est soit pour arriver journée aujourd'hui. Je ne suis pas plus passé sans parti à gros groupement politique, à plus passé 200 organisations, société civile. Là, qui signait proposition sortie crise, c'est ce qui est présenté par pays. Comité de pilotage, c'est ce qui a continué pour faire connaître. Il était temps même bon champ dialogue avec le représentant de l'Akoyo Tampou, Ben Sénat, Montana, avec diverses personnalités qui signaient encore. Primati 11 septembre. À peine Sénat, dans ce qui concernait Montana, comité de pilotage, c'est ce socle, parce qu'il faut parler à tout acteur qui a porté à Consila. C'est dans ce sens, après un peu
discussion avec un acteur important dans Boussa, nous jouons un support plus passé sans parti politique et organisation de la société civile là, qui signait avec nous. Le comité pilotage de ce soir-là, pas campé là. Nous continuons à négocier avec les acteurs Montana. Dans l'idée pour nous arriver à fusionner tout accord, Jean-Péia Mandeli, avec Zaminouyo, dans la communauté internationale. Il est important pour nous saluer, pour nous signaler, disons, nous chita parler plusieurs fois à divers représentants de la communauté internationale là, ici en Haïti, à Claude Bordelot. C'est un bon résultat du travail de ces gens à dans l'international. Et de l'autre côté, il y a environ 60 partis politiques et organisations de la société civile là, qui quittait l'accord climatique 11 septembre pour rejoindre ces socles et puis signer à nous. Dans le même temps, ces socles a continué à parler à Grèce, signataire à Corsa. Qui donc comité pilotage ces socles la coin. Il était important pour le joindre avec la presse jeudi pour lui informer le peuple haïtien. Soit avancer les faire dans le processus pour arriver à résoudre la crise là, il y a une série d'efforts qui partent. Le comité de pilotage, c'est socle, a fini pour annoncer la nation. Bon genre disposition, bras le bras, pressé, pressé. Côté, c'est socle, peine sénat. Montana, primatique 11 septembre, pral casse rendez-vous à travers une conférence tête collée pour représenter by nation à confusionner qui pral camper au pouvoir exécutif à deux têtes. Ça, dans la langue française, il y aurait les bicéphales. Avec le Conseil national présidentiel, CNP, qui a gagné trois membres, avec un nouveau Premier ministre qui pourra monter un gouvernement large en large, avec personnalité qui sortit dans divers secteurs du pays et dans la diaspora. Nous voulons la communauté internationale aider nous parce que ces amis nous ont aidé. Et nous toujours chita parler avec eux. Mais, c'est le premier pas, c'est ce qu'on a fait là, en tant qu'haïtien. Mettez tête nous ensemble, parce que c'est nous qui avons le problème, nous. C'est nous qui avons le problème, nous. Conscients des problèmes, nous voulons sortir dans sa lumière, nous voulons mettre tête nous ensemble d'abord, pour nous voir un signal clair à l'international, là, pour être capable nous-mêmes, camper vos côtés. C'est ça. Il y a une proposition de sortie de crise qui sensibilise tout le monde. Nous comprenons les partis et la société civile qui quittent d'autres accords qui viennent signer avec ces sortes. C'est très bien. Mais c'est ça que nous dit, nous continuons le dialogue nous, avec l'autre acteur qui eux-mêmes c'est auteur d'autres accords. Nous plus voulons que nous chita avec ensemble auteur et accord ça pour que yo existe en tant que groupe. Nous parlons de peine sénat, nous parlons de primature en septembre, nous parlons de Montana pour que ensemble nous fusionnons tout accord, nous parlons même langage. Nous avons des problèmes aux mêmes gens, nous avons des solutions aux mêmes gens, et de ça, nous estimons que pas qu'il y ait une autonomie dans nous, et que pour que nous sortions Haïti dans sa ligne. Moi, souhaitez-nous bienvenue dans le cadre de la célébration
journée internationale langue et culture créole pour mois octobre 2021. Amis moyo, permettez-moi de rappeler nous, sorti 1983, arrivé dans l'année 2021, ça fait déjà 38 l'année depuis diverses communautés créolophones tout partout sur la terre à célébrer Journée internationale langue à culture créole. Décision ça est venue dans l'objectif pour permettre tout le monde sur la terre d'utiliser la langue si là je viens de place et puis pour qu'à parler langue libre et libre tout côté sans force côté. Je dis à si nous gardons bien, côté nous sortir, à côté nous y est, nous avons remarqué un gros effort qui fait pour permettre la langue créole là, là il décolle. Nous, l'autre bord, nous devons reconnaître avec objectivité qu'il y a quelques zones réticence toujours. Dans le cas de nous, en Haïti, nous faisons face à un pile problème dans un pile espace. C'est pour ça, pour moi, octobre 2021, l'Académie créole haïtienne vient présenter pour nous un thème là, qui c'est langue créole, tout côté, sans force côté. Thème ça doit refléter situation nous comme peuple qui fait face à une réalité sociolinguistique la troublaille alors que nous vivons comme plus gros communauté créolophone dans le monde. Les académies créoles haïtiennes côté thème ça langue créole tout côté sans force côté ya, c'est pas un souhait. C'est plus parce que ça. C'est plutôt un rappel, un faute mémoire, un message qui doit attirer attention tout le monde, tout secteur, qui c'est l'école, l'église, l'université, centre de recherche, syndicat, consulat, l'ambassade d'Haïti, établi dans divers coins sur la terre pour impliquer Tatio dans faire promotion langue créole haïtienne et puis pour corriger le développement. Et donc, encore une fois, tout le monde qui l'a, et nous-mêmes, académie, nous travaillons en pile pour langue créole arriver. Et si le peuple haïtien qui te prend temps pour te créer langue ça, dans le temps, une bonne atrocité. Nous travaillons pour langue créole, ça capable de vivre utile. Donc, actuellement, nous avons orthographe créole, nous avons révisé. Dans la fin d'année, nous avons pour nous publier une version révisée orthographe créole. Nous avons un dictionnaire qui est sous chantier, nous avons une grammaire qui est sous chantier, nous avons plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs aspects dans la langue créole. Donc, c'est un bagage qui prend temps, parce que pour les gens qui connaissent la question et travaillent dans l'académie, nous connaissons l'académie française, temps passé. Avant, il y a mettre langue française à côté de là. Donc, nous-mêmes, nous pas travail, nous pas dormi. Il y a des gens qui disent, pas attendu académique, mais c'est comme ça, et balayé. Même si c'est un travail intellectuel, c'est pas un travail où capable de régler dans tête chaude, ni dans deux jours, trois jours. Parfois, nous finissons réunis, nous obligés de réunir plusieurs fois sur une série de même items, nous sommes réunis encore. Donc, académique, a travaillé, il a travaillé pour la population. Hein. Nous comptons la population à commencer vraiment à ramasser langue. Nous sommes en train de chanter ça qui dit et ramasser langue pour ne pas prendre poussière. Merci, monsieur. C'est exactement ça. Donc, nous félicitons tout le monde là qui est ambassadeur et peuple haïtien à travers les gens ont montré ou à honorer langue et culture là. Donc, nous avons continué comme ça. Et donc, directeur communication, merci pour tout le support et Urbano. Et merci pour le bureau secrétariat, comment ou encourager le travail ça. Merci pour le vice-président pour le discours ou débat matin. Donc, nous avons demandé pour nous rester fermes.
après tout et avec toute difficulté, tout défi nous gagne la comme nation, nous gagne pour nous lever et là nous fin lever on a une langue qui bien campée qui pour accompagner peuple et jamais nous même en académie créole nous dit jamais yo mon pape jamais rentrer dans bureau dans pays encore pour dire si pas parler français yo pas servir et n'a travail pour ça pour langue dans éducation pour dans baptiste mounio pour dans papier témoignio pour dans tout papier officiel yo pour les loi à faire constitution qui pas en la langue mounio ça c'est bagaille cap fini et pour droit linguistique qui c'est un droit qui plus fondamental peuple haïtien river respecter on te qu'on attire en pile touristes où j'en fait champêtre à période rara qu'on mobilisé en pile créateur à création où j'ai intellectuel nous briller dans toute go université l'autre bord de l'eau et n'a profité ça lié professeur qui dégrafe qui là finalement pigo richesse pays a c'est qu'il dit nous c'est langue nous parler c'est langue nous tout comprendre et c'est dans langue ça langue créole là youn passer par l'autre toute valeur richesse la qu'il dit et pourtant yo apprendre nous répéter pays a pauvre pays a pas aucun pauvre et moi même penser ça en pile nous pauvre mentalement dans chercher par valeur à tout ça qui sorti l'autre bord de l'eau nous doit apprendre et puis faire l'autre monde apprendre tout que Haïti riche dans toute colle seulement nous était pour nous croire dans tête nous croire dans richesse nous croire dans capacité nous croire dans langue nous parler et puis croire dans identité nous comme peuple qui marque l'histoire comme peuple qui était croire dans l'unité solidarité hospitalité fait qui croire dans travail une avec l'autre une pour l'autre ça nous relait combite là pour nous arriver changer situation nous pour nous arriver changer propre tête nous nous avons l'obligation bataille ensemble pour nous sortir pays à ensemble dans s'allier dans parler alors là nous tout profiter s'allier j'ai fort et premier ministre Ariel Henry a fait pour essayer mettre tout le monde chita ensemble c'est vrai il est pas facile parce que chaque haïtien et j'aime répéter ça souvent dans intervention mieux chaque haïtien penser c'est lui-même seulement qui est science là. Science l'autre là pas important. Bon, c'est science nous chaque qui pour mettre ensemble, qui pour coller ensemble, pour nous changer situation pays ça. Donc faut que nous parlions. Langue créole là doit tout côté sans force côté. Merci nous toutes qui là. Merci Académie créole là qui a continué fait travail scientifique là et il était à nous-mêmes haïtiens gouvernement bon côté parle a fait effort. Nan mettre document en créole nan encourager moun yo parler créole administration publique là nan encourager jodi a nou gen pi fò radio fè émission en créole donc parce que c'est un effort nous toutes non seulement académiens mais nous tout haïtiens merci tout le monde pendant période grève là par l'école qui va fonctionner nous gen un programme qui était déjà là programme nan il était de tout jour revue pour te gagner un travail. Maintenant, si tout jour ça à cause de grève, pas de travail, quand il y a question, c'est comment on va faire pour récupérer jour ça qui pas de travail. Maintenant, mais il y a des annonces toujours qui vont faire cette question. Qui ça nous gagner? Nous avons parlé en permanence avec différents cadres du ministère, particulièrement les directeurs départementaux, pour que il y ait des préparations qui faites pour combler le nombre de jours à accueillir et les jours que tout le monde qui fait partie système là perdu. Et plan, c'est fait du coup du rattrapage. Et nous parler sur ça déjà. Pour que il y ait des coups de rattrapage qui sont faits pour combler vide ça. Parce que parents, élèves, professeurs, tout le monde qui a une responsabilité dans la question de l'école et dans la question de l'éducation en général, il va jamais voulu qu'il y ait un jour qui a un problème. Qui va empêcher que. Si mon à l'école. D'ailleurs, les parents ont même investi pour ça. Si mon nom a un peu d'effort à faire, ils ont tous
attendre année à commencer le travail au jour le jour, je réponds à tout ça dans le stade l'école là, et puis je passe le contrôle comme ça droit, et puis année qui vient, je vais aller dans la classe supérieure pour ça, qui peut arriver dans le niveau pour terminer totalement, et pour finir aussi pour ça qui est dans le philo avec l'école pour entrer dans l'université. Même gens, mon groupe étudiant qui est dans l'université, il veut que je travaille dans l'université pour que si c'est 4 ans à faire pour finir, pour travailler, si c'est 6 ans à faire pour finir, pour aller dans l'autre activité. Dans ce sens-là, il y a un impact de grève là sous le système, eh bien, pour nous arriver à résoudre nous-mêmes, c'est grâce avec du coup de rattrapage que nous gagnons comme perspective. Donc, c'est ça que je suis capable de dire pour la question de grève là, et qui a fait un pays avec double revendication. D'abord, c'est contre l'insécurité, kidnapping, vol, qui a fait un pays. Et deuxièmement, contre les problèmes de carburant qui gagnent. Et vous avez remarqué au fini là, son porte qui était ouvert parce que pas gagné énergie. Nous pas capables de mettre nos gens de premier leur venir là. Donc c'est un problème vraiment difficile et qu'il faut faire du pari d'autre, surtout à côté du gouvernement, pour joindre une réponse à ça. L'homme il a un système, non? Après tout cours, nous avons le cours créole, nous gagnons de livres créoles. Et l'Académie de langue créole font pile en pile forme pour profiter de féliciter eux et remercier eux aussi, parce que c'est du monde qui a réfléchi, parce que je crois que la meilleure façon pour enseigner, c'est dans la langue maternelle, dans la langue parole, la langue qu'on est bien, langue où maîtriser correctement bien. Et ils font pile effort, un pile document publié, et ils ont souvent invité le ministère dans des activités qui lie avec l'encreole. Et nous avons dit que c'est une série de spécialistes qui devraient, qui décident pour que nous ayons un système éducatif fort. Lorsque langue n'a pas enseigné, c'est langue véritablement parlée par la population, par les enfants, par les enseignants, par tout le monde, alors tous les Haïtiens, eh bien, possibilité pour mettre ça à la passée, le plus facile. Mais lorsque on communique dans une langue, parfois, les gens qui transmettent le message, ne pas maîtriser bien l'anglais, en ce moment, possibilité pour atteindre l'objectif enseignement les diminuer. Ça veut dire, enseignement, libre fait dans une langue que nous avons maîtrisé totalement, pas partiellement. On parle du français et en plus haïtien, en plus le monde qui travaille dans l'éducation, il n'y a pas vraiment parlé français. Nous avons dit qu'il comprend le français. Si vous parlez en français, il est capable de répondre bien, mais il n'y a pas. Nous avons dit communiquer parfaitement bien en français. Non. En plus là-dedans, on a un petit pourcentage très faible qui parlait français à même la créole. Mais sinon, plus fort mon mieux, vous parlez créole là plus bien que français. Mais enseignement, du fait beaucoup plus en français, dans la langue qui n'est pas tellement bien maîtrisée par tout le monde bien, là, il fait des fous. Ça veut dire que réflexion qu'a fait le jeudi, c'est réflexion pour nous valoriser davantage l'angle là. Après, l'angle là, l'INA, on a dit toute activité ministère. Souvent, comme un cours qui enseignait, les enseignants sont matière, dans l'examen officiel, l'INA encore, et dans le baccalauréat, il est là. Ça veut dire que l'angle là, lui-même, les villes, on a dit, plus progresser dans le système.
Mais la bataille qu'on a fait là, c'est bataille pour que message tout fait dans l'angle. Tout ça qui a passé dans la salle place là, et pour que le fait dans l'angle que nous avons décidé. Donc c'est ça qui fait, nous croyons qu'en Haïti, nous encadrés par une académie qui est extrêmement importante. Et que Mounio, c'est du monde qui est responsable et qui fait un pile effort, qui fait un pile proposition, Académie Langue Créole là, pour que Créole là, lui, au premier plan, jusqu'à côté de ma parole avec là, et vous avez senti qu'on série de haïtiens, là où vous parlez en créole, vous ne pas dire fort. Vous ne pas dire, ah, je suis fort dans créole. Et même si vous parlez anglais ou bien espagnol, il n'est pas facile de dire ou fort en espagnol ou bien ou fort en anglais. Mais là où vous parlez en français, si vous faites une heure ou bien deux heures à parler en français, et puis vous ne pouvez pas commettre des erreurs ou bien des fautes, vous entendez un peu le monde dire, monsieur est fort pile. Ça veut dire qu'on soit de valorisation de la langue française. Qui fait que langue créole là, il y a eu au second plan, c'est parce que vous avez toujours dit, l'aime pas le français, mais vos valeurs par des paquets de monde. Mais je veux dire, nous voulons que nous devons apprendre à valoriser d'abord la langue créole. Et c'est ça qu'on va le faire, nous, pays noir, l'autre bagaille. Si vous voulez, on prend plus gros pays, ou après, il y a une langue. Langue la Kayoa, c'est langue ça a plus valorisé, langue plus monde parle. Langue moun yo parle plus bien. Ou alors aux États-Unis, mais c'est l'anglais. Ou alors en Espagne, c'est espagnol. Ou alors en République Dominicaine, c'est espagnol. Ou alors en France, c'est français. Alors le dit pas de monde, pas de anglais quand c'est bien, pas de espagnol quand c'est bien. Eh bien, si vous arrivez en France, soit non sale classe, même bien chance de faire un master et doctorat là-bas, ou à besoin. Mon nom parle simplement en français. Mon nom parle en anglais pour vous, ni en espagnol. Ouais. Maintenant, aux États-Unis, c'est la même. En anglais. Eh bien, ici, en Haïti, nous-mêmes, nous parlons, nous faisons tout bagaille en français, alors que l'on nous peut bien maîtriser, c'est créole. C'est pour ça que je ne le dis à ministère lui-même, lui mettez le bon côté académien. Limiter le bon côté tout scientifique qui croit que même si nous pas nous quittons ouvert pour que il y a plus l'autre langue qu'enseigner, plus l'autre langue que élève maîtrisé, que nous-mêmes nous maîtrisons, mais nous limiter au premier plan la langue créole. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.